Oh, salut les gars, du coup là je suis avec Martin. Salut. On fait notre petit van tour. Voilà, on a aménagé un van à deux et puis là il est tout beau, tout propre. Magnifique, bah venez, entrez hein. Regardez, on s'est mis dans un cadre hyper stylé là pour vous faire une belle vidéo. Du coup, on va vous montrer un peu l'intérieur. Hop 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 les gars. Vous faites quoi là? C'est la première vidéo? Ouais. Bon, on fait ça bien les gars, fond noir, bande de cinéma, petite musique et voix off. Ok. Ok. Bon, ok. Reprenons depuis le début. Il y a 4 mois, j'étais un peu perplexe sur mon été. Tous mes plans étaient tombés à l'eau. Mais j'avais cette idée dans le coin de ma tête. Ce projet, ce rêve que j'avais envie de réaliser. Aménager un van à partir de rien. Mais ce projet, je pouvais pas le faire tout seul. Et c'est comme ça que j'ai appelé Joseph, mon ami d'enfance. Puis je lui ai proposé mon projet. Contre toute attente, il m'a répondu pas qu'il était chaud, mais qu'il était super chaud. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Ensuite, on a cherché des vannes sur le bon coin, on en a trouvé un, et on l'a acheté. Le projet qu'on a avec Joseph, c'est d'abord un projet pour nous-mêmes. Parce que dans nos études, on apprend beaucoup de choses, mais avec nos têtes. Et on voulait vraiment essayer de développer nos capacités avec nos mains. Donc essayer de travailler le bois, essayer de faire un système électrique, essayer de faire un petit système d'eau. Et c'est vraiment ça qui nous motive en fait, c'est cette volonté d'apprendre, c'est ce désir de découvrir des choses. Et on pense aussi que la valeur d'un objet n'est pas dans son prix, mais dans son histoire et ce qu'il a pu nous apporter. C'est pour ça qu'on essaye de revaloriser au maximum avec ce van. On essaye de récupérer le plus de choses. On essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec une planche usagée. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé à deux. Du coup, je me suis embarqué avec Martin dans ces vacances un peu incroyables. Dans ce projet, on a vraiment envie de créer quelque chose de très uni, vraiment partagé avec les autres, tout ce qu'on a au fond de nous, tous nos désirs. En fait, on a envie que ce van soit aussi pour vous, que vous, quand vous puissiez l'emprunter ou le louer, et en fait, mettre votre empreinte dedans, un petit badge, une petite photo, une petite signature, quelque chose comme ça. Du coup, on veut vraiment quelque chose de partagé, parce que ce projet, c'est aussi montrer que les vacances, c'est aussi autre chose. C'est pas juste aller chercher la meilleure photo quelque part dans un lieu paradisiaque, la meilleure photo Instagram juste pour se la péter devant les potes. Mais c'est aussi de voyager localement, de rencontrer des gens autour de nous, de faire quelque chose de très simple, mais en fait où il y a beaucoup de joie et on partage beaucoup de choses. Projet de van, on sait pas du tout quand on l'aura fini. Et nous en fait ce qu'on aime, c'est le chemin, c'est chaque jour essayer d'avancer et non pas la destination finale. Et en plus on sait même pas si on va être motivé tout le long. Mais on espère que vous serez motivé si nous on est motivé à continuer à faire les vidéos. Sur notre chaîne, vous verrez pas des vlogs de vacances ou alors des tutos de comment réaliser un van. Parce que des gens le feront beaucoup mieux que nous. C'est vrai.
Sur notre chaîne, vous verrez simplement le retour d'expérience de deux potes qui aménagent la cabane. Et donc chaque jour, nous, on va se parler devant caméra pour résumer la journée. Et vous, de votre côté, chaque semaine, tous les samedis à 10h, vous aurez un résumé de cette journée. Donc comme ça, vous pourrez suivre, en même temps que nous, le projet pas à pas, jour après jour. C'est comme ça qu'on voit un peu... Ouais, c'est comme ça qu'on voit le projet, parce que c'est vraiment... On veut faire partager vraiment la réalité quoi, de ce qu'on vit, et voilà. Du coup, on espère que ça va vous plaire. On voudrait remercier toutes les personnes qui ont déjà inscrit leur nom dans ce van. Toutes les personnes qui sont venues nous aider pour la caméra, pour le design, et aussi pour fabriquer des choses avec nous. Mais pour l'instant, je vous dis à très vite pour la première journée, samedi prochain à 10h.